Aujourd'hui, c'est vendredi et le vendredi, c'est le bilan de la semaine. Donc, dans cette vidéo, je t'invite à regarder avec moi eh bien, les instruments que nous avons étudiés cette semaine et de voir où nous en sommes vendredi. On commence tout de suite après la petite intro. Alors, donc, on se replonge dans le BNB que nous avons vu hier. Donc, c'était tout récent. Je t'encourage à aller regarder la vidéo. Elle est encore toute fraîche. Bien. Alors, nous n'avions pas encore cassé les 244.9, donc ce niveau-là. Et donc, je disais qu'en 3 heures, nous recherchions à voir cette cassure pour pouvoir nous positionner sur un repli. Probablement en début de semaine. Donc attention ici, ce n'est pas parce que j'indiquais donc d'un trait que je projetais effectivement cette cassure-là qu'il fallait acheter hier, d'accord ? Qu'il fallait acheter hier, donc hier on était sur ces niveaux-là à peu près, qu'il fallait acheter hier pour aller casser ces niveaux-là. Non, on est dans la projection, c'est-à-dire qu'on met en place un certain nombre d'options, un certain nombre de chemins que l'on identifie comme étant plus ou moins possible, d'accord. Et lorsque le marché eh bien, suit une des options que nous avons, que j'ai mise en place, eh bien à ce moment-là, on sait quoi faire. Hein. Donc c'est le but effectivement de l'analyse. C'est pas de dire ça va monter. Non, c'est d'aller vers un setup, d'accord, qui va être déclenché lorsqu'on se retrouve dans des conditions effectivement favorables. Donc on a ce qu'on a maintenant ici, ce qu'on voulait. Donc ça y est, on est content. Donc ça veut dire que pour ce week-end, eh bien on va regarder toutes les faiblesses. On ira les prendre en 45 minutes. Alors hier également sur le BNB, on avait fait un petit setup éventuellement parce qu'on pouvait et parce que le contexte se présentait. Et donc on avait dit que nous avions un 1, 2, un 3, un 4 et un 5 ici en fin de compte. D'accord ? Donc le fait que ici le 4 redescende en dessous du 2 ne me dérange pas. D'accord ? Et donc ici on s'attendait à une correction et on avait dit qu'on achèterait sur les 227. Bon, ici force est de constater que le marché a décidé de faire autre chose, dont acte. Donc ici c'est pas la peine de s'énerver et de s'exciter parce que le marché fait des choses machin etc. Maintenant on regarde un petit peu ce qu'il en est. Bon, ici on avait dit qu'on était dans le cadre 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord. Et là on a deux choix en fin de compte, d'accord. Là ça se complique un petit peu effectivement parce que On n'a pas vraiment de résolution ici pour trouver un bon connecteur. On aurait éventuellement un connecteur ici, en fin de compte. D'accord ? Donc, ça veut dire que le connecteur, c'est ça. OK ? Et que donc, on va aller chercher plus loin. Donc là, ici, vous voyez, vous reprenez vos outils et vous faites vos projections, en fin de compte. Donc là, on n'avait plus ça, mais on avait ça. D'accord ? Donc là, ça vous projette 251. Donc, ça veut dire que là, ici, vous avez une séquence. Et que donc, si vous avez de la faiblesse, eh bien, vous allez pouvoir effectivement acheter contre ce pivot-là, sur le prix ici et sur le sentiment ici. D'accord ? Donc, ça veut dire que si vous avez ça, vous devriez avoir une continuation haussière. On voit ici qu'on risque quand même d'avoir un point intermédiaire qui est celui-là ici. D'accord ? Donc, voilà. Donc, bon, après, je ne vais pas rentrer dans la phase de l'exécution, etc. Si vous êtes intéressé à en savoir un petit peu plus, bah, venez sur le Discord. Hein, le lien est dans la description de la vidéo. Il y a 7 jours gratuits avec un accès complet à tous les services. Le BNB est un des coins qu'on étudie, que j'étudie tous les jours. Je poste des charts, des graphes, pardon, des commentaires, des graphiques et on fait des vidéos et des lives donc tous les jours. Hein. Donc venez voir, ne vous gênez pas. La porte est grande ouverte. Donc, vous voyez ici, vous avez tout un tas de nombres de possibilités. Alors, j'avais dit dans mes billets du jour, qui sont postés aussi sur le Discord et dans la communauté YouTube, eh bien que la semaine, là, serait déterminante. Elle l'a été. Et puis, elle pourrait donner des perspectives très intéressantes pour les jours à venir et les semaines à venir. Ben, vous voyez, on y est ici. On va avoir de plus en plus d'opportunités pour des setups particuliers. Alors, on avait vu UOS, on accélère un petit peu. Bon, UOS, on ne va pas vraiment en revenir. Vous voyez, simplement, c'est qu'encore une fois, dans cette logique de définir des chemins, l'analyse, c'est ça. Hein, ce n'est pas de dire le prix va monter, le prix va descendre. Tout le monde un peu sensé comprend que personne ne peut affirmer cela. Par contre, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que voilà,
on avait indiqué qu'on voulait, chercher la cassure de cette ligne-là, eh bien, on l'a ici maintenant. Donc, ça veut dire que derrière, eh bien, on peut deviser un certain nombre de setups et puis passer à l'action. Donc, phase préliminaire, vous faites votre analyse et vous projetez si le marché fait ça ou ça, eh bien, moi, je fais ça. Et puis, quand vous êtes dans le contexte que le marché vous impose quelque part, c'est lui qui dirige, hein, c'est lui le patron, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez dérouler votre plan. Bon, Luna, allez, on se refait encore un petit coup au cœur. Luna, Lunk, bon, alors, Lunk, vous voyez que tout le monde est en train de se retourner. Bon, Lunk, ça lui fait ni chaud ni froid, d'accord. Voilà, donc, pas plus de commentaires, on passe. Alors, un qui a besoin de commentaires, bah, c'est le BTC. Donc, même chose ici, vous voyez, on était à la recherche de ça. On voulait repasser au-dessus de cette ligne-là, avoir donc cette espèce de séquence ici sur le RSI pour éviter une 4 ou même éventuellement un triangle et une dernière configuration baissière. Donc là, on n'a pas encore repris ce plus haut ici. On verra la fermeture ce week-end, mais on peut d'ores et déjà eh bien, éliminer la possibilité. Alors attention, tout est possible dans les marchés, mais en tout cas, une probabilité moindre de voir un plus bas marginal. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que sur les swings, attention, c'est encore trop tôt pour prendre des positions, bien que, enfin, là maintenant tout de suite, on verra ce qu'il en est dans les plus petites unités de temps. Par contre, effectivement, en journalier, ben, on voit que si on avait délesté un petit peu ces positions et qu'il nous reste un petit peu de cash, alors encore une fois, ce n'est pas une sollicitation ou une recommandation, vous êtes grand, vous savez ce que vous faites, vous appuyez sur les boutons, c'est vous qui appuyez sur les boutons, mais on voit qu'ici, bon, ben, ça peut-être être une bonne idée de recharger un petit peu et de remettre un ou deux billets sur la chose là-dessus. Pour information, en ce qui me concerne, moi, je suis personnellement à 95% crypto, de nouveau, sur les plus bas, donc depuis une semaine, d'accord. Et on verra, lorsqu'on aura les derniers coins que je regarde qui auront validé le retournement, et ben on passera à 100%, et on verra sur le prochain plus haut, on n'oubliera pas de prendre des profits. Bien, alors ensuite, donc le BTC, on voit que le BTC, pareil que pour le BNB, donc on avait effectivement... Alors ça, donc, voilà. On s'était dit, on était pas probablement ici, on s'était dit, voilà, nouveau plus haut, on pourra aller acheter, non, ce n'est pas ça, nouveau plus haut, et on pourra aller acheter les replis pour avoir ici une 1, 2, 3. Alors, vous voyez qu'on est dans une configuration un petit peu plus lisible qu'avec le BNB. Ici, on a donc on aurait 1, 2 et 3, puisque véritablement dans ce mouvement-là, pour l'instant, il n'y a pas véritablement de 3. Je ne vais pas passer en 45 minutes pour ne pas faire trop long non plus. Encore une fois, hein, je vous renvoie au Discord sur le BTC. Il y a le détail des comptes que je fais tous les jours. Alors sur le Matic, bah, le Matic, on va aller en journalier. Vous voyez, c'est toujours un petit peu la même chose, hein, un petit peu rébarbatif, mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on peut procéder. Ici, très intéressant. On voit que le RSI qui est en train de casser ce niveau-là, d'accord, eh bien, nous projette directement sur des niveaux ici. Ça veut dire un Matic qui est très en forme parce que le Matic, eh bien, il est en train de refaire quasiment déjà la moitié de son retard, la moitié de la chute qu'il a entamée. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour dire que le Matic, eh bien, c'est un des coins, d'accord, qui a très très bien résisté à la chute. Alors attention, hein, on s'entend, hein, 2,86,03, ça fait comment dire, ça fait quand même une sacrée chute. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la reprise qui a été entamée là, au 18 juin, elle était quand même relativement forte. D'accord. Et que donc, on devrait s'attendre dans les jours qui suivent à un petit peu plus, d'appréciation. On verra peut-être la semaine prochaine, on verra les coins qu'on fait pour voir si on a des setups, etc. Alors, sur l'Ethereum, donc on avait devisé ce qui pouvait marcher, et ce qui pouvait aller dans notre sens, c'est-à-dire la reprise, mais aussi, et comme toujours on se doit, de voir les scénarios qui sont eh bien, à l'encontre de ce que l'on souhaiterait. Et ici, on avait des scénarios effectivement à la baisse. Je vous avais indiqué que si on passait sur ce niveau-là, eh bien, ce schéma-là ne l'emporterait plus, et eh bien donc, dont acte. Ici, on voit qu'en 3 heures, on n'a plus qu'à attendre. Alors, ce n'est pas encore fait ce matin, mais c'est presque. On n'a plus qu'à attendre, effectivement, une cassure de ces niveaux-là pour pouvoir aller racheter des choses comme ça. Alors ici, vous voyez, on avait dit 1, 2, 3, 4 et 5, 1, 2, 3. On voit que ici,
Alors, on voit que sur le... On pourrait aller en 45 minutes, mais... 1, 2... On va faire... Ah, pardon. On va faire le ménage en 45 minutes ici. Voilà, donc là, ici, vous voyez que qu'est-ce qu'on a? Bah, toujours un petit peu la même chose que précédemment sur le BTC. On a la même structure. Donc, vous avez un 1, 2 et puis un 3. D'accord? Donc là, ça veut dire que, a priori, on est censé aller directement sur les 1254. Ça, on l'a déjà fait. On a 1, 2, 3. Là, il faudrait un plus haut marginal pour avoir un flat. Et ça nous terminerait notre cycle ici. Et ça permettrait d'aller acheter un bon repli pendant le week-end ou en début de semaine prochaine dans cette zone-là. Donc voici un petit peu. Alors bien entendu, sur les vidéos publiques de YouTube, il n'y a pas le compte détaillé, il n'y a pas les setups, etc. Mais encore une fois, je vous encourage à aller voir sur le Discord. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Ça me fait plaisir et c'est pas rien. C'est gratuit pour vous et pour le coup, c'est rien pour vous. ça fait surtout avancer la chaîne et c'est important pour les équipes qui travaillent à produire ces contenus pour vous. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine, un très bon vendredi, un très bon week-end en avance et je vous retrouve quant à moi lundi prochain. Merci, bye, au revoir.